Yahoo mon petit bonchat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle ouverture de Booster Surprise. Et on est donc avec l'univers de Mario, donc si la suite t'intéresse, continue. En ce qui concerne donc ces fameux boosters de l'univers de Mario, les seules choses donc que j'avais comme information c'était donc que c'était des objets squishies. Donc je te remontre avec un petit cacali multicolore que j'ai. En fait les squishies c'est ça, c'est des objets en fait que tu peux écrabouiller et qui reprennent leur forme initiale autant de fois que l'on veut. Donc voilà en ce qui concerne ça. En ce qui concerne la marque, la voici. C'est elle qui produit donc ces fameux boosters. Je les ai donc achetés à la Fnac au prix de 5,99€. Et voilà donc les objets squishies que l'on peut avoir dans ces boosters. Donc honnêtement il n'y en a qu'un seul où je suis sûre de l'avoir, c'est le cube, tout simplement parce qu'il est clairement carré et donc c'est très flagrant, hein. Ça peut se voir qu'on a le carré, voilà. Mais les autres, je n'ai pas du tout réussi à deviner qui était à l'intérieur, donc on va les découvrir ensemble. Donc c'est parti, alors je ne sais pas comment ça se présente, apparemment on n'a rien autour pour protéger, car j'aperçois directement une couleur qui est donc la couleur marron. Pas de surprise, donc on a Goomba. Goomba, je sais jamais comment ça se prononce, Goomba ou Gamba. Bref, toujours est-il, on va avoir donc la petite créature marron, qui est très mignonne. Alors, elle fait penser à quelque chose d'autre qu'un champignon, je pense que tu auras toi-même deviné. Et voilà, donc le petit Goomba, hop, le voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il se reforme très rapidement, donc c'est très marrant. Voilà. Donc à l'arrière on a Super Mario Squishies Delish, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est marqué Made in China, ça date de 2018, donc c'est très récent. Et puis là on a juste l'information comme quoi ça vient de Jackass, je sais pas comment ça se prononce, Pacifique. Mais voilà. Donc voilà le petit Goomba. Donc le deuxième booster qui est donc le fameux cube, le question bloc. Voilà le question bloc si tu veux. Hop, le voilà. Donc il est vraiment très très beau. Et donc ouais, hop. C'est un peu pénible parce qu'ils sont tellement gros que dans mes petites mains ça rentre pas. Mais voilà à peu près le principe. Et donc dessous on a donc les fameuses informations. Ah il est un peu abîmé. C'est pas maîtresse d'ongles. C'est moi maîtresse d'ongles, elle s'efface. Le voici donc le petit numéro 2. Et donc le troisième booster, alors j'en ai pas pris au total, donc on pouvait en avoir 6. J'en ai pas pris 6 parce que tout simplement je savais pas si ça allait réellement me plaire ou pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc là on aperçoit du vert et même du blanc, donc on sait très bien ce que c'est. C'est la fameuse carapace verte. Donc voilà à quoi ressemble la carapace et elle est vraiment très 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 mignonne. Donc dessous bien entendu on a les informations. Et voilà, donc à chaque fois je te montre vite fait au niveau de ma main ce que ça fait au niveau de la taille, à savoir que du majeur sans compter l'ongle, je tiens à préciser, à ici on a 15 cm, donc on a quand même un objet qui doit faire au moins dans les 10 cm, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc voilà les trois objets pour cette vidéo. Cette vidéo ouverture de Booster Surprise spécial Mario Squishies est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter ou même partager la vidéo. N'hésite pas à aller voir dans le petit sondage et me dire quel est le Squishies du jour que tu préfères et celui que tu aimes le moins. N'hésite pas aussi à me dire quel est dans ceux qu'on n'a pas eu, du coup, lequel t'aurais préféré avoir. Bon, honnêtement, si j'avais pu faire un ordre, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et il est probable que je rachète si je les retrouve. Sur ce, à bientôt !